Se battre contre soi-même est très difficile. Et le pire, c'est quand les gens n'arrêtent pas de te juger sur ton passé. Ils n'acceptent pas le fait que tu aies évolué. Tiens bon. Jalika, je pense que tout ça est dû à mon comportement. J'ai besoin de ton pardon. Je redeviendrai un bon mari. Jalika, donne-moi la chance de te prouver mon amour. Je te promets qu'à l'avenir, je me comporterai mieux. Je ferai de toi une reine. Je ferai de toi une femme heureuse pour le reste de ta vie. On a bien rigolé. Oui, c'était pas mal. Alors, princesse, ça t'a plu, le film ? Oui, c'était très bien. C'est sûr ? Ouais. Ouais, il était bien, papa, le film. Papa, je peux avoir une glace, s'il te plaît ? Une glace ? Là, là, c'est une gloutonne. Mais franchement, où est-ce qu'elle peut bien mettre tout ce qu'elle mange, là ? Hein ? Moi aussi, j'en veux bien une. D'accord. Attends, attends. Tiens-moi ça. Allez, choisir. J'arrive. Oui, maman. Ok, d'accord. Très bien, j'ai compris. Oui. D'accord. Ouvre grand. Pour toi. Merci. Bon, je vais chercher la mienne. Ah bon ? Vite. T'es sûre qu'il y a droit ? Qu'est-ce que tu en dis, Noura ? Non, on va pas le taquiner. Allez, tape-moi 5. Délicieux. C'est bon ? Super. Allez. Salam alaikum. Malikoum salam, maman. Comment ça va ? Ça va, maman. Lala, laisse-nous. Bon, bah, je vais vous laisser discuter. Noura ? Noura ! Lève-toi, on va aller se coucher toutes les deux. Allez. Tu savais bien que j'allais venir tôt ou tard, n'est-ce pas ? Cher Diagne, qu'est-ce qui te prouve que cette Raki est ta demi-sœur ? Et depuis que le monde est monde, où as-tu vu des demi-frères et demi-sœurs s'entraider ? Toi, tu n'es rien de plus qu'à moins que rien. Espèce d'hypocrite. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour écarter Biram de l'entreprise, n'est-ce pas ? C'est moi qui t'ai convaincu de le réintégrer. Maman. Biram, c'est bien. Qu'en termes de travail, aussi bien qu'en termes de compétences. Il n'y a pas de népotisme. Encore moins de sexisme. D'accord.
Mais retiens bien une chose. Pour une mère, ses enfants comptent plus que tout. Vous devez être les meilleurs et arrêter de vous déchirer. Maman, attention, tu devrais t'asseoir. Elle a déjà monté d'un cran. Cher Diagne, pourquoi tu me fais ça à moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour être humiliée ainsi? Tu sais, maman, je vais te dire la vérité. Si tu te comportais correctement avec Raki, il n'y aurait pas de conflit. Hé, hey, cher! Cher! Maman! Maman! Viens là, maman, assieds-toi, viens là. Toi, tu n'as rien à dire. Et je répète ce que j'ai dit avant. Depuis que le monde est monde, personne, mais alors personne n'aide sa demi-sœur. Maman. Biram Diagne ne pourra évoluer dans cette entreprise que s'il le prouve. Et toi, tu as prouvé quoi? Tu as prouvé que tu pouvais ruiner cette entreprise, n'est-ce pas? Cher, c'est toi le responsable de tout ce qui arrive. L'échec est dans nos gènes. Peut-être vient-il de notre mère. Et peut-être que Raki va nous sauver. Hé hey, fais bien attention à ce que tu dis. Je t'interdis de te moquer de moi. Tu vas la renvoyer sur le champ. Sinon, je te ferai vivre un enfer. Bonjour. Assieds-toi. Donne-moi 30 secondes. D'accord. Marem, je suis entièrement satisfaite du travail que tu fournis jusqu'ici. Mais surtout, de ta ponctualité et de ton assiduité. Les clients sont heureux de travailler avec toi, mais je dois t'avouer que j'ai appris ce qui s'est passé dans ta vie privée. Je pourrais vous expliquer. Rassure-toi, cela ne me concerne pas du tout. Tous les jours, tu rôdes comme un lion en cage. Il est temps que tu fasses la paix avec toi-même. Affronte ce que tu fuis. Ils m'ont détruite. Je ne vaux plus rien. Même blessée, une lionne reste une lionne. Tu as tellement de peps. Refuse qu'on t'enlève ta lumière. De quoi as-tu peur réellement ? De le revoir. Je serais incapable de la voir en face de moi. J'ai toujours peur de l'aimer. Tu as Salif? Il t'aime énormément. Vas-y. Tu as deux options. Soit de lui donner sa chance, ou de faire face.